enfants. Merci à tous les membres qui soutiennent ma chaîne et qui font partie de la super team palmeillée. Abonne-toi, mon petit palmier. Hey, coucou mes petits palmiers, j'espère que vous allez super bien aujourd'hui. On va faire un live stream, enfin pas vraiment, on va faire un stream sur Roblox. C'est l'expérience du streamer interdite. Ah, nous sommes encore sur une histoire de peur dans Roblox avec des bons choix, des mauvais choix, des bonnes fins, des mauvaises fins, des psychopathes et des choses. On va découvrir ça ensemble, je connais rien du tout. Si vous aimez ça et si vous voulez m'encourager, cliquez sur j'aime. Et également abonnez-vous à la chaîne, c'est gratuit, vous rejoindrez la team palmier. Bon bah écoutez, on va lancer le jeu sans plus attendre. C'est parti. Waouh, regardez, on est spawné directement ici dans le lobby. Et c'est un lobby très très simple. Mais on dirait un endroit où il y a plein de gens qui font du stream. Bon, on va jouer toute seule puisque bah moi je suis toute seule. Youhou, oui. Regardez, c'est mon bureau de streaming. J'ai 2 heures. Déjà, parti. On y va. Waouh. Donc c'est ma chambre. Il y a des chips Pépino Chips. Au goupideza. Oh, j'ai peur. Ah, stop. Ok. Arrête! Comment j'arrête ceci? Non! Au secours! Oh, c'est stressant! Alors, il y a quoi par terre? BW, des canettes, un téléphone portable. Oh, une vieille assiette, des vieux bols, mais dis donc, des déchets. Mais c'est ça, ici! C'est ça, la vie de streamer? Ah bah, dis donc, c'est pas terrible. Bon, c'est quoi? Oh, waouh! On doit trouver des bonus! Des boutons plaid dorés! Oh non, mais je peux pas acheter ça! Laisse-moi tranquille! Alors, la porte... Là! Un bouton doré! Oui! C'est le bouton de YouTube! Waouh! Il a une jolie terrasse! Ok! Bon, bah, j'habite ici, dans un immeuble! Ok! Plutôt grand appartement! Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est pour faire des jumpscares! Il y avait un bouton doré sur les toilettes, n'importe que bewa. Du savon, de la glu. Pourquoi il y a de la glu dans les toilettes? Bah, c'est bizarre. Ça me rappelle un peu Scary Teacher 3D. Ok, je peux aller à l'extérieur, là c'est chez mes voisins. Je peux pas entrer dans la maison des voisins, bien sûr que non, mais est-ce que je peux sortir? On va voir. Moi j'explore, pour l'instant je fais pas... Waouh, ok. Là il y a quoi? Ah, rien du tout, c'est la benne à ordures. Le sous-sol. Waouh, waouh. Ding, 5 sur 7. C'est pas mal. Il reste plus que 2 boutons dorés. J'aurai tous les boutons dorés. Bon, non. Bon, on va remonter. Donc, apparemment, on va venir dans le sous-sol aussi. J'ai vu qu'il y avait le tableau électrique. Donc, à mon avis, quand l'électricité va se couper, si jamais elle se coupe, je sais où c'est. Alors, la cuisine. Ah, voilà un bouton doré. Il en reste un. Je sais pas où il est. Bah, on va le trouver. Oh, des chips. Mangeons un petit peu de chips. Crunch, crunch, ça croustille. Voilà. Bien. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On doit nettoyer la pièce avant de streamer. Oui, c'est une bonne idée. Comment on nettoie? Ah, commençons le travail de rangement. Oui, je suis d'accord, parce que c'est très très sale. Donc, je prends les déchets. Donc là, le paquet de chips. Waouh, 14 trucs à prendre. Ils auraient pu faire un bouton d'action qui aille un petit peu plus vite, quand même. Ok. On en est à 4. Les bols. Bon, heureusement, les bols, ils comptent pour un. Voilà, pareil pour ce tas de déchets. Il y a plein de déchets, il y a même de la mousse et tout, c'est dégoûtant. Hein. Vraiment, mais comment on arrive à ce point à être dégoûtant? Moi, je comprends pas, même si on est streamer. Bon, on a fait la moitié. 7, 8, on a dépassé la moitié. C'est moi qui ai tout pris. C'est parce que d'habitude, on est censé jouer avec plus de gens. Et donc, ça va un petit peu plus vite. Et moi, je suis toute seule. 10. Là, c'est le 11e, cette assiette. On dirait elle est rouillée. Pourtant, c'est pas du métal, une assiette. C'est de la porcelaine, mais bon. Voici 12. Plus que 2. Il y a cette pile de bols ici et il y a cette canette. Voilà, j'ai bien nettoyé ma pièce. Regardez, elle est toute propre et tout. Ça fait plaisir. Peut-être qu'on ira dehors et que c'est là-bas que je trouverai le dernier bouton parce que là, bon. Allez,
Il faut sortir d'ici et aller mettre les déchets, et bien tout simplement dans la benne à ordures qu'on a vue en bas. Donc on sort. Non, pas par eux là. Je vais pas mettre les détritus chez mes voisins, les pauvres. Ici. Voilà. Et je jette tous les déchets de ma pièce. Voilà. Oh. Y a quoi là-bas? On peut pas sortir. Ah, il faut installer l'écran vert pour faire du streaming. On y va. Donc je rentre chez moi. Et on va mettre l'écran vert. Oui. Comme ceci. C'est long à installer, j'en ai déjà fait, c'est pas évident. Mais bon, une fois que c'est installé, c'est bien mis et tout, on peut faire de la magie avec. Voilà, ploup, super, on a installé le fond vert. Maintenant, j'allume l'ordinateur. On dirait le mien, c'est trop rigolo. Oh, oui, regardez les fonds d'écran et tout. Il y a le micro, il y a le logiciel de montage. Ah, oh, c'est OBS. Commence le streaming, ok. Je configure ma configuration de streaming. Et je passe en ligne maintenant. Coucou à tous, bienvenue au stream. Alors dites-moi dans les chats si vous êtes content qu'on fasse un live ici en direct. Regardez sur ma plage d'Acapulco. Voilà, tout va bien avec mon palmeier. Je suis contente, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de live. Oh, coucou, bonjour, super. Attendez les amis, ça a sonné chez moi. Je fais une pause dans le stream et je reviens tout de suite. Oh là là, mais on me dérange toujours. Qui c'est qui? Oh, un colis. J'adore les colis. Voilà. J'ai reçu un colis, les amis. On va l'ouvrir en live. Coucou. Oui. Voilà. Il faut que je le pose dedans, mais je suis dedans. Il y a un endroit spécifique où le poser? Là. Voilà. Tout simplement. Ploup. Voilà. Ok, le stream, on est de retour. Désolé, c'était Amazon qui m'a livré un colis mystère. Je sais pas du tout ce qu'il y a dedans. On va l'unboxer ensemble. Bonne idée. Allez, on va l'unboxer. Voilà, je l'ouvre. Je me demande ce que c'est. Ça a l'air joli. Oh! Les amis, on m'a envoyé une poupée vaudou. C'est une poupée vaudou, mais heureusement, elle me ressemble pas. Pas du tout, même. Mais bon, ça fait peur quand même un petit peu. Donc, oui, ça fait peur, oui. Oui, oui, ça fait peur. Tout le monde trouve ça bizarre dans le chat. Moi aussi, je trouve que ça fait peur, que c'est flippant, mais bon. Qu'est-ce... Il y a eu un bruit, les amis! Il y a eu un bruit chez moi! J'ai peur! Ah! Qu'est-ce que c'était que ce bruit? Est-ce que ça venait de dehors? Oh! Mais mon arbre, il est tombé! Oh non! Mon pauvre arbre! Mais qui c'est qui a fait... Oh! C'est qui ça, là? Je t'ai pas demandé ton avis! Je sais pas qui c'était! Ça fait peur! Oh! Le voisin? Mais pourquoi y aurait le voisin ici? Ok. Est-ce que c'est lui qui a fait tomber la plante? Fou! Bon, en tout cas, je vais devoir nettoyer la terre. Bah oui. Regardez, quand je marche, ça fait crunch crunch. Ah, il faut aller chercher le balai dans la cuisine. On y va. C'est ici. Le balai, il est là. Voilà. C'est bon, les amis. Attendez le stream, j'arrive. Je vais nettoyer. Bon, je les préviens parce que je suis encore en live. Oh là là là, toute cette terre à ramasser. Il faut que je la remette dans l'arbre, le pauvre. Comment il va manger? Allez, crunch, crunch. On balaye, on balaye, on balaye. Voilà. Troisième tas de terre. Encore. Et après, on remet l'arbre au droit. Voilà. Ça va mieux comme ceci. Allez, vite. Il faut que je retourne au stream. Hop. Ok. Coucou les amis. Il y a eu quelqu'un qui est venu, mon voisin, il a fait tomber mon arbre, j'ai dû nettoyer, regardez, j'ai le balai ici. Et c'est pas évident parce que je vous ai abandonné, mais bon, j'étais obligé parce qu'il y avait de la terre partout. Non mais arrêtez avec cette poupée. Les amis, la poupée elle est partie. Bah oui, où est-ce que la poupée a été? Youhou, poupée! C'est une poupée électronique. Ok.
Ok les amis, vous avez vu la poupée partir? Parce que vous aviez le chat et tout. Bon, je pense que j'ai pas assez dormi. C'est pourquoi j'ai des hallucinations. Oui. Alors je vais terminer le stream ici pour aller faire dodo, d'accord? Non, parce que je vois des trucs qui bougent et tout, donc ça va pas aller. Merci à tous, n'oubliez pas de laisser plein de likes et tout, et on se voit demain. Bye. Voilà, vite, comment on arrête le stream? Comme ceci. Au revoir, oui, c'est ça, à bientôt. Oh! J'ai lâché le bouton. Allez. Voilà, voilà. Et... Oh! Oh, ça y est, je suis plus en live. Bon. Maintenant que le live est terminé, je vais mettre des petits extraits du live et tous les meilleurs bouts. Alors, je vais devoir faire un petit peu de montage. Voilà. Je vais vite à faire du montage. Je demande à Max. Voilà, j'upload. Regardez, ça upload sur ma chaîne. Et... Plim! Super! Voilà, c'est en ligne. Amusez-vous bien, les amis. J'espère que vous allez pouvoir voir le passage où la poupée elle est partie. Oh, faut pas remettre le balai. Bon, on va éteindre l'ordinateur. Ok, ok, on va éteindre. Hop, pour l'électricité, c'est beaucoup mieux! Voilà. Oh, 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 oh. Nuit 2. Bon, la première nuit était bizarre. Il s'est passé plein de choses. J'ai reçu un paquet. Une... Oh là 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 là! C'était la chanson de l'alarme. Ok, je me réveille, j'ai faim. Bah alors on va manger. Voilà. Ok. Allez, encore des chips? Mais il se nourrit que de chips. C'est pas du tout une bonne alimentation. Non, 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 non. Allez, on mange le snack. Voilà. Bon appétit. Des chips pour petit déjeuner. Super. Allez, il est temps de refaire un stream. Hop, voilà. C'est l'heure de streamer à nouveau. Bien. Alors, j'espère que je ne vais pas être interrompu une nouvelle fois cette fois-ci. Bon, apparemment tout va bien dehors. Allez, on commence le stream. Je configure OBS, la caméra, mon palmier, et on y va. Hello, bienvenue à tous, vous êtes déjà nombreux à être là, waouh! Oh, merci pour les compliments, ça fait plaisir. Ah, bah écoutez, hier c'était une journée un peu spéciale, hein. J'ai toujours pas retrouvé la poupée, mais bon, j'ai bien dormi, j'ai mangé des chips. Et vous? Ouais, super. Les amis, ça a tapé chez moi. Je vais laisser le chat allumé, la caméra, tout, et je reviens. J'espère que c'est pas un monstre. Oui, bonjour. Et... Il y avait personne. Le chat? Il y avait personne. Attendez, j'y revais. Oui. Oh, mais c'est qui, celui-ci? Bah, c'est bien mon voisin. D'accord. Qu'est-ce que t'as? Tu fais des pranks? C'est pas drôle. Moi, je suis occupé, j'ai un travail. Le téléphone. C'est où? Quelqu'un m'appelle. Je sais pas où est le téléphone. Il est dans la... Mais c'est... Ah, c'est là. Ah, mais oui, d'accord. Allô? Allô, allô, allô. Ah, c'est ma mère. Hello, comment tu vas? J'étais inquiète, tu ne m'as pas appelé. Oui, non, je faisais un chat et puis j'ai reçu une poupée vaudou. Tout va bien? pourquoi tu m'appelles? Maintenant, je suis en streaming. Je suis en live. Oh, désolé. Je voulais juste savoir si tout allait bien. Oui, je suis en live. Oui, oui. Tout va bien. Maintenant, s'il te plaît, raccroche. Merci. Allez. Ok. On se part plus tard. C'est cela. En attendant, regarde mon stream et mets un like. Bye. Bye. Bien. On est vraiment interrompus tous les jours, les amis. Je suis désolé. Mais bon. Hello le chat, désolé. Bon, on dirait que je suis toujours interrompu pendant que je fais du live, hein, mais bon, c'est pas grave, c'est la dure loi des streameuses. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Vous voulez faire un jeu? Non! J'ai perdu la lumière.
Bon, bah écoutez, l'électricité est partie. Donc je vais devoir la rallumer. Mais ce qui est bizarre, c'est que vous êtes toujours en ligne. Ça, c'est vraiment, vraiment chelou. Bon, je vais rallumer l'électricité. Je sais où c'est. Voilà, dans le sous-sol. Donc on continue. Et c'est par ici. Voilà. Allez, on va réparer l'électricité. Mais il y a un couteau. Qui c'est qui a mis le couteau? On peut pas réparer ça. Qu'est-ce que ce couteau fait planter ici? C'est une torrachée de riz. Voilà. Super. J'ai réparé. Je suis bien contente. Bon, par contre, j'ai pas trouvé le dernier bouton doré. Je sais pas où il est. J'espère qu'on va aller dehors et tout. On verra bien. Alors, sac. Ici, toujours personne. Je retourne dans mon appartement. Bien sûr. Voilà. Ok. Ici. Ah, la poupée est de retour et elle dit « Je te regarde ». Ok. Ok. D'accord. Il faudrait que je parte d'ici et que je brûle l'appartement parce que là, c'est pas possible. Ok. Les amis, qu'est-ce que je devrais faire? Dites-moi dans le chat. Dites-moi dans les commentaires aussi, vous, là, ce que je devrais faire. Va voir ton voisin, va investiguer, va voir ton voisin. Ok. Donc vous voulez que j'aille voir mon voisin, que j'aille enquêter, c'est ça? Ouais. D'accord. Ok. Bon, bah, si je reviens pas, bah, c'était sympa de vous avoir rencontré et surtout appeler la police. Merci. On y va. Alors, je vais appeler mon voisin. Je vais lui demander des explications. Bon, déjà, j'ai trouvé le dernier bouton doré. Mais aussi, j'ai eu un badge. Mais alors, c'est quoi cet appartement? Oh, oh, mais quel est cet endroit? Mais ça fait vraiment peur. Ok. Je peux pas sortir. Qu'est-ce que je dois faire? En fait, c'est abandonné. Il y a même pas de matelas. Ça veut dire que j'ai pas de voisin depuis tout ce temps? Ok, c'est vraiment trop creepy. Il faut que je retourne chez moi rapidement. Mais oui, mais... sors par là. Mais sors. Mais sors. Mais oui, mais regardez, j'ai mes bras qui volent comme ça, comme un petit papillon, et je ne peux pas sortir. Voilà. Vite. Il faut que j'aille dans la rue. Il faut que je m'échappe d'ici. Par là. Il me suit? Il me suit! Regardez! Oh, oh! Vite! Aidez-moi! Appelez la police! Il est où? Bah, il est pas là, mon voisin! Il arrive! Ah! Où ce que me ne fait ouvre? Vite! Ok! On est en sécurité pour un petit moment. Je me cache ici quand même parce que bon, j'ai peur. J'ai un balai, attention, hein. On pourrait essayer de se cacher dans les bennes à ordures. Et on pourrait essayer de s'échapper à travers ce grillage. Bah moi, je vais m'échapper. Je vais faire le choix de m'échapper. Non, je m'échappe. On a choisi la voie de s'échapper. Oui! C'est la fin où on s'est échappé! Ah bah super! Comme ça, il ne nous a pas attrapé. Bravo! Oui! C'était encore une super expérience, vraiment réaliste et tout. On sait pas ce que c'est que cette poupée vaudou, qui est ce voisin et tout. On n'a pas toutes les informations, mais en tout cas, on a réussi à s'échapper, on a eu la bonne fin et ça, c'est bien. Alors, bah, dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce qui serait passé si j'avais été dans les poubelles? Dites-moi ce que vous en pensez. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, abonnez-vous à la chaîne et avant de partir, n'oubliez pas de regarder une autre vidéo de Nadège Crandall. Merci! Bisous, bisous, mes petits papiers! Bye bye!